Alors, Jean-Philippe, on est ensemble déjà depuis quelques minutes parce qu'on prépare cette interview. On a déjà, je vois différentes personnes. On a déjà Emmanuel qui est avec nous, Tim, et voilà, des personnes qui te connaissent. Aujourd'hui, c'est ton interview, mais on va bien sûr revenir sur ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené sur ce marché de l'immobilier, voilà, alors que tu venais d'un autre horizon. Voilà, tu étais entre autres chez Renault et Michelin. Et pourquoi tu es venu dans l'immobilier et quel était le projet de départ? En deuxième partie, j'aimerais qu'on parle de tes conseils pour développer l'agence. Alors bien sûr, tu as développé un réseau, et donc ton rôle aujourd'hui est vraiment de porter tout un réseau. Mais ce qui m'intéresserait, c'est de comprendre quels sont tes conseils, tes recommandations pour les nouvelles agences qui se lancent aujourd'hui, ce qu'elles doivent faire en priorité. Et on parlera du palmarès de l'immobilier. Ce que j'expliquais à l'instant, on en parlait, c'est que l'EVM Excellence, c'est vraiment l'antichambre de préparation au palmarès. Les palmarès aujourd'hui sont, c'est un événement qu'on organise chaque année, Vitry Média et plein d'autres partenaires, Opinion System, meilleurs agents, la FNAIM est aujourd'hui partenaire. On a la chance d'avoir un jury exceptionnel avec Jean-Marc Torion et des médias, Radio Imo, My Sweet Imo, Journal de l'agence, Ariane qui est avec nous et puis encore d'autres partenaires. Et vraiment, c'est un événement qui fonctionne de mieux en mieux. C'est la 8e édition, je crois, cette année. Et donc l'objectif des VM Excellence, c'est de former toute l'année et d'accompagner au travers d'interviews les agences immobilières qui vont candidater. Et donc on parlera du palmarès, et tes conseils sur trois axes en particulier: le concept agence avec la vitrine, mais pas que, la stratégie digitale. Une stratégie digitale, c'est quoi et quelle est la stratégie digitale que tu pousses chez Côté Particulier, et l'approche client avec la méthode commerciale. Donc voilà, on va bien sûr parler des avis clients qui jouent un rôle, mais pas que. Quelle est la méthode commerciale que tu as mise en place chez Côté Particulier, alors dans ton réseau? Le parcours pour commencer, Jean-Philippe, explique-nous qu'est-ce qui t'a amené à l'immobilier. C'était quoi? C'était une passion depuis très longtemps ou c'est plutôt une coïncidence, une rencontre? Comment ça s'est passé? Explique-nous. Alors, effectivement, donc, comme tu l'as souligné, j'ai eu la chance de travailler pendant des années dans des groupes industriels tels que Michelin, Renault, sur des fonctions commerciales, sur des fonctions marketing et sur des stratégies de développement réseau. Oui. En France, en Angleterre, au Japon aussi. Donc, des expériences vraiment enrichissantes, hein, d'un point de vue humain également. Et puis, à un moment donné, on sait que les grands groupes, la stratégie, le management, l'environnement humain a évolué. Et je suis arrivé à un stade où les réunions, le PowerPoint, voilà, tout ce temps très stratégique et très long qui peut être plaisant à certains moments. J'avais envie de plus d'action, j'avais envie d'une aventure à taille humaine. Et voilà, j'ai toujours eu envie de créer mon entreprise. Alors, pourquoi l'immobilier? Alors, je faisais partie, je dirais, de ces clients, peut-être de monsieur tout le monde, qui peuvent penser que passer par une agence, ça va leur coûter cher. Voilà, j'avais en quelque sorte certains a priori, mais je crois qu'il y a 88% des particuliers, selon une étude récente de Meilleurs Agents, qui stipulent que les particuliers attendent un ajustement des honoraires. Voilà, et donc j'avais cette idée-là en tête. Et donc j'ai pensé qu'il pouvait rester une place pour une enseigne, une marque, hein, qui allait interpeller les particuliers en leur disant qu'on peut effectivement recourir et même qu'on doit, qu'il est préférable bien sûr de recourir au service d'un professionnel, donc d'un agent immobilier, et que le service va être à la hauteur, hein, on aura un service de proximité, on aura des conseils, de l'accompagnement. Et aujourd'hui, on y reviendra, mais aussi beaucoup d'innovation, beaucoup de digital et des prestations finalement à très forte valeur ajoutée pour leur projet. Donc j'ai eu le sentiment qu'il restait une place pour une enseigne qui allait présenter un autre visage et qui allait interpeller l'ensemble des particuliers en mettant en avant de la proximité, en fait, hein. Donc l'immobilier, c'est un métier de proximité.
donc de la transparence, puisqu'on est dans une ère de transparence, donc ça on y reviendra aussi, le digital, les avis clients, c'est lié à la transparence. Et enfin, voilà, un ajustement des honoraires, c'est également au cœur du concept côté particulier. Donc c'est sur ces bases, on va dire, conceptuelles, sur une vision client qu'est née l'enseigne côté particulier. Et ensuite, en pleine crise financière, économique, immobilière, c'était en septembre 2008. Septembre 2008. Ouais. Donc, pour l'anecdote, la première banque que je suis allé voir simplement pour ouvrir un compte professionnel, un compte bancaire, hein, donc m'a reçu, c'était ma banque, hein, j'habitais Chaville à l'époque. Mais effectivement, on m'a dit, non, monsieur Croux, vous ne vous rendez pas compte, le contexte actuellement, développer un réseau immobilier, c'est un peu surprenant comme idée. Et donc, on m'avait refusé même l'ouverture d'un simple compte bancaire. Je ne demandais pas un euro au départ. Voilà, c'est juste pour remettre un petit peu le contexte de ce démarrage. Voilà, c'est septembre 2008, c'était pour tous ceux qui étaient déjà dans l'immobilier à l'époque. Je pense que la date, elle est bien gravée dans les c'était esprits. C'était une période, je m'en souviens très bien, qui était, effectivement, on était dans le creux de la vague. Effectivement, les agences s'interrogeaient après les élections présidentielles 2007. À l'époque, Vitrimia, c'était lancé juste avant. Et effectivement, il y a eu un creux. Hein, et puis, avec cette incertitude financière, ça a duré un petit peu. Donc, c'est vrai que c'était courageux. Et au démarrage, c'était quoi ? C'était surtout une agence ou c'était déjà un projet de développer un réseau, Jean-Philippe ? Alors, non. Dès le départ, c'est le projet de développer un réseau. Donc, moi, je suis originaire du sud-ouest, hein, des Hautes-Pyrénées. Je les ai en face de moi. Et j'ai un associé au départ qui était dans l'aventure et qui avait une agence dans le sud-ouest. Et on a été très vite rejoint, on va dire, par deux ou trois agents immobiliers dans le sud-ouest également. Donc, on est parti de ces deux, trois agences du sud-ouest. Moi, j'étais sur Paris et donc j'ai commencé le développement de l'enseigne côté particulier sur cette base. Donc, on a mis en ligne effectivement un concept sur des portails tels que l'Observatoire de la franchise, toute la franchise. Et dès le départ, dès octobre 2008, on a eu des demandes, on a eu des sollicitations de personnes qui adhéraient à la vision client, vision métier qu'on a mis en avant. Et si tu devais résumer donc justement ce concept au lancement, puisque c'était bien un réseau, c'était dès le démarrage la volonté de développer un réseau, quitter un parcours professionnel où tu étais passé par des grandes entreprises, mais tu avais besoin d'autre chose, tu cherchais autre chose et tu es parti d'un constat. Donc, il y avait peut-être encore un créneau, en tout cas une possibilité de proposer un concept novateur. C'était quoi l'ADN ? C'était quoi les trois axes ? Donc, le particulier, certainement, il y avait une volonté d'être proche du particulier, c'est ça ? Alors, l'ADN, c'est déjà la transparence. Voilà. Ça fait partie des choses qu'on a pu reprocher aux agents immobiliers. Alors moi, je viens de l'automobile. Alors les garagistes aussi ont leur réputation, les banquiers. Voilà, il y a quelques professions comme ça et qui forcément n'est pas méritée. Mais en tout cas, je pense qu'il y avait une grosse attente. Il y a toujours de transparence de la part des clients, donc en l'occurrence des particuliers qui ont recours à une agence immobilière. Voilà, besoin de transparence sur les honoraires, transparence dans les méthodes commerciales, transparence sur le bien en lui-même. Donc, il y avait cette idée de transparence dès le départ. Donc, on a été les premiers, par exemple, à afficher nos barèmes d'honoraires clairement. Alors, aujourd'hui, c'est une obligation légale. Mais en 2008, ça ne l'était pas. Donc, on a été les premiers à avoir une rubrique « Nos honoraires » extrêmement visible sur les pages d'accueil de chaque site agence. Et sur chaque annonce immobilière, on mettait toujours les honoraires en pourcentage et en valeur. Voilà, donc cette transparence était effectivement dans l'ADN. Ensuite, le deuxième élément, je dirais que c'était la proximité, puisque on a
Le réseau, aujourd'hui, c'est une centaine de chefs d'entreprise qui sont tous des entrepreneurs, des commerçants de proximité. Ils ont tous un beau point de vente implanté en cœur de ville, sur des emplacements souvent numéro un. Et l'immobilier, ça reste un métier de proximité. Alors, on y reviendra à l'heure du digital, et le digital est incontournable. Mais le métier reste un métier d'hyper proximité. Et cette proximité, on la voulait aussi dans la structure humaine de l'agence. Voilà. Ce qui fait qu'une agence côté particulier, dans l'ADN, c'est aussi un patron ou une patronne qui est une personne de terrain, voilà, et qui va faire le job, entre guillemets, qui va produire, donc qui va aussi faire des estimations, qui va aussi rentrer des mandats, faire des ventes, accueillir des clients dans son agence. Voilà, donc ça, c'était le deuxième élément, je dirais, de l'ADN, hein, le premier étant donc la transparence, le deuxième, la proximité, et le troisième, mais ils sont tous les trois au même niveau, c'était un ajustement des honoraires. Donc, sur ce point-là, hein, puisque encore une fois, c'est 88% des vendeurs qui attendent, enfin, des vendeurs, selon une étude d'OpinionWay et de Meilleurs Agents qui date de 2019, qui attendent un ajustement des honoraires. Et l'idée à l'époque, ça a été de proposer des honoraires, un barème d'honoraires qui soit en fait, ce qui est facturé en moyenne chez le notaire en France. Voilà, parce que il y a toujours un décalage entre les barèmes des agents immobiliers puis ce qui est facturé à la fin d'une transaction. Alors cet écart a tendance à se réduire aujourd'hui puisque voilà, on a plus le droit logiquement de négocier. C'était novateur à l'époque, c'était l'alignement sur ces tarifs, c'est bien ça dont tu parles, c'était novateur. Alors, c'était effectivement quelque chose de peu courant. Alors, il y a des agences indépendantes qui ont pu pratiquer effectivement le même niveau d'honoraires. Mais ce qui était intéressant, c'était d'avoir, on va dire, un réseau qui avait un objectif, une ambition nationale, avec le souhait de proposer un maximum de services, notamment par le digital, tout en ajustant le niveau des honoraires. Voilà. Et ça, c'est possible parce qu'on a mis en place aussi une organisation au niveau de l'agence, hein, aussi d'un point de vue humain, efficace, avec, comme on l'a évoqué tout à l'heure, le rôle prépondérant du patron ou de la patronne de l'agence qui va aussi produire. Ok, alors donc ça c'est donc ce rôle du patron de l'agence dans ce concept agence, parce qu'on va en reparler pour les palmarès, mais dans ton modèle, c'était quelque chose, encore une fois, quelle est la place du patron de l'agence, parce que tu en parles, quelle est cette place, est-ce qu'il y a quelque chose tu voulais vraiment proposer quelque chose de nouveau, c'était ça l'idée que tu avais? Alors l'idée c'était simplement que, voilà, si on remet dans le contexte, hein, c'était septembre 2008, donc c'était un moment difficile pour les agents immobiliers. Oui. Et c'est des moments où le marché freine très fort d'un coup, mais les frais fixes, eux, ils freinent beaucoup plus lentement. Voilà. Oui. Et donc, il faut rappeler qu'un certain nombre d'agences ont été emportées, hein, par leurs frais fixes. Et donc, dans ce contexte, on souhaitait avoir une structure efficace et relativement légère, parce qu'on mettait... à la mer, des bateaux, hein, dans une mer agitée. Oui. Donc, on voulait que les embarcations soient plutôt agiles, voilà, relativement légères. Donc, oui, c'était important d'avoir en fait un patron qui ne soit pas caché au fond de l'agence, hein, qui ne soit pas seulement un manager, parce que dans ce cas-là, c'est... Qui soit producteur, donc qui agisse véritablement. Voilà, qui a un rôle. Exactement, c'est un poste de coût. Et c'est aussi une dépendance vis-à-vis d'une équipe. Et on sait que dans les périodes plus compliquées, hein, quand les affaires sont plus dures, les équipes sont aussi moins fidèles. Voilà. Et donc, avoir un patron qui produit, qui sait vendre, tout simplement, qui sait faire tourner son agence, c'est une énorme sécurité.
Ok, je comprends. Effectivement, c'était un point très important, différenciant et qui permettait, dans cette période un peu difficile, effectivement, de faire comprendre le conseil et le concept et de faire adhérer effectivement les agences. Très clair. Donc, une nouvelle, enfin, un nouveau projet d'entreprise. Et tu as eu d'autres projets auparavant ou c'était vraiment la première fois que tu te lançais à ton compte sur ce type de projet qui était ambitieux, puisque dans l'immobilier, en pleine crise financière, est-ce que tu as eu d'autres expériences par le passé qui étaient vraiment des projets d'entreprise à part entière, où tu avais toute ta carrière auparavant qui était dans les grandes entreprises? Non, effectivement, c'était ma première création d'entreprise. Voilà, donc c'est vrai que quand on se lance dans un projet comme celui-là, comme dans tout projet de création d'entreprise, hein, voilà, on ne sait pas forcément précisément dans quoi on s'embarque. Hein. On sent une opportunité, voilà, sinon on n'irait pas. Il y a une envie très forte, parce que s'il n'y a pas d'envie, c'est pareil, on n'y va pas. Il y a une certaine vision, voilà. Et ensuite, il y a une énergie, voilà, il y a une énergie. Et s'il n'y a pas cette énergie, cette envie et cette vision, il faut ça pour mobiliser du monde derrière soi. Donc ça c'est important. Et puis voilà, effectivement, il faut une certaine forme de pas d'inconscience parce qu'on sait, voilà, on a quand même, c'est quand même un projet moi que j'ai réfléchi pendant 2 ans, hein, donc que j'ai préparé pendant 2 ans. Mais voilà, je suis face aux Pyrénées. Alors c'est quand on part en montagne, si on veut gravir si on veut atteindre un sommet, on a beau prendre beaucoup de précautions, préparer son itinéraire, prendre ses équipements, voilà, avoir tout organisé, mais on ne maîtrisera jamais tous les éléments. Donc, bien sûr, la météo va rester imprévisible. On peut partir par beau temps et se prendre un orage ou une avalanche ou un glissement. Tu imaginais ce développement en si peu de temps, finalement, en 10 ans, effectivement, c'est une belle réussite. Enfin, le réseau s'est développé comme tu l'attendais ou tu... Alors oui, le réseau s'est développé en tout cas, de manière très satisfaisante, hein, puisque... On est sur à l'échelle, on va dire, si on regarde ce qui se pratique dans tous les réseaux au sens large, arriver à une centaine de points de vente en un peu plus de 10 ans, c'est bien. Bon, voilà, on passe pas à la télé sur M6 tous les jours, donc la notoriété est pas préexistante. Hein, il faut la créer, il faut l'installer, et puis il faut voilà. Dans ma vision, c'est moins un objectif de quantité que de qualité. Voilà, il faut d'abord que les personnes qui nous rejoignent soient bien accompagnées, réussissent, et ensuite elles vont donner envie à d'autres de faire pareil. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le réseau se développe essentiellement grâce aux résultats, au travail et au témoignage de ceux qui nous ont fait confiance. Voilà, donc ça, c'est vraiment... Il y a eu du bouche à oreille, effectivement, pour le développement du réseau. Et revenons au démarrage. Donc, tu t'es associé, tu n'étais pas tout seul, donc tu avais un associé. C'était quoi la répartition des tâches et des rôles pour le développement? Alors, elle était très simple. Moi, je m'occupais du développement du réseau, donc le recrutement des nouveaux membres du réseau. Donc la partie, on va dire, commerciale au départ, parce que faut son concept, son enseigne, il faut la vendre. Hein. Quand on a une demande d'information qui tombe, elle tombe en même temps chez tous les grands réseaux immobiliers. Hein. Donc on arrive et puis on se présente avec les 2, 3, 4, 5, 10 agences. Donc on vend un concept, on vend une promesse. Donc j'étais sur cette partie, effectivement, recrutement, accompagnement des nouveaux franchisés. Et mon associé, lui, était sur la partie animation du réseau. Donc la partie animation, et tu as toujours aujourd'hui la même répartition des rôles? Alors aujourd'hui, je continue à faire ce que j'aime énormément, c'est-à-dire recruter de nouveaux adhérents, voilà, les accompagner dans leur projet, parce que j'y prends énormément de plaisir. Maintenant, c'est vrai que le nombre... Alors, on n'a jamais fait de prospection. On a toujours travaillé uniquement sur des contacts entrants. Aujourd'hui, le réseau ayant grandi,
Et le, voilà, le nombre de demandes entrantes est supérieur. Voilà, il augmente chaque mois. Même en 2020, voilà, et malgré le contexte qu'on connaît tous, on a eu un nombre de demandes supérieur à 2019. Et donc, j'ai eu besoin de recruter un développeur, voilà, qui nous a rejoint, ben, il nous a rejoint pendant le deuxième confinement. Donc, ça ne nous a pas bloqué dans nos développements et dans nos recrutements. Et c'est aujourd'hui, il y a combien de personnes aujourd'hui au sein du côté particulier sur le head office, donc à Tarbes, c'est combien de personnes? Alors, aujourd'hui, on est 6 hein, sur la partie siège. Voilà, on est 6. On est tous face, je dirais, à nos partenaires. Donc, chacun sur son métier. Tous très disponibles. Voilà, la proximité, effectivement, est importante pour nous aussi. Ils peuvent tous nous joindre hein, à tout moment sur nos portables. Voilà. Donc aujourd'hui, ok, c'est un réseau qui s'est développé effectivement par bouche à oreille, avec passion, et puis c'était un nouveau projet d'entreprise pour toi, j'ai bien compris, mais qui finalement a atteint les objectifs que tu t'es fixés. Alors, si on avait quelques conseils à donner pour les agences qui se lancent aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner, puisque tu es né un peu dans la crise, donc ça serait quoi? Une nouvelle agence aujourd'hui qui se lance, qui veut réussir dans l'immobilier, c'est quoi les trois conseils, quelles seraient tes recommandations pour qu'elle puisse... voilà, se débrouiller. Est-ce qu'il faut absolument passer par un réseau? Est-ce qu'on peut réussir en restant indépendante? C'est quoi tes conseils? Alors, il y a beaucoup de choses à dire pour répondre à cette question. Alors, est-ce qu'on peut y aller en indépendant? Évidemment que c'est possible de se lancer en indépendant. Maintenant, c'est vrai que la valeur ajoutée d'une enseigne, elle est aujourd'hui, à mon sens, elle est juste colossale. On parle de toutes les enseignes, là, au sens large. Oui, toutes les enseignes. Je ne connais pas de mauvais réseau immobilier. Aujourd'hui, tous les réseaux immobiliers, on fait partie des plus jeunes réseaux. Hein, donc, il y en a qui sont 5 fois plus âgés que nous, mais il n'y a que des réseaux sérieux. Donc, adhérer à un réseau, c'est bénéficier déjà d'un accompagnement fort dans la phase projet. Et on sait qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent sur une phase projet. Et il y a plein de façons de se tromper, il y a plein d'erreurs faciles qu'on peut commettre. J'ai l'impression qu'effectivement, il y a un petit problème de son, parce que moi aussi, j'ai un problème de son aussi depuis le début. Donc, j'ai l'impression que je ne suis pas le seul. Hein. Benoît nous dit que c'est assez inaudible. J'ai l'impression que je ne suis pas le seul à avoir un peu de mal avec le son. Ah. Est-ce que c'est possible? Parce que j'ai un petit doute. Hein. J'ai un petit doute. Moi, je pensais que c'était que moi, mais je ne suis pas sûr. C'est très faible. Alors, il y a Benoît qui le dit, mais est-ce que c'est le cas de d'autres personnes? Je croyais que c'était que moi, mais je ne suis pas sûr. Alors, dis-moi. Mais c'est effectivement un peu faible. Et, est-ce que ça change quelque chose avec l'oreillette? Ah, la lumière fut. Comment? C'est mieux là. C'est mieux là? Ah oui, c'est mieux. Ah, c'est mieux. Ouais, c'est mieux là. Moi j'entends mieux. Ouais, j'entends mieux. Alors je sais pas si c'est le cas pour Benoît par exemple. Est-ce que Benoît entend mieux? Benoît, est-ce que Benoît entend mieux? Voix déformée. Alors, ouais, c'est un peu mieux pour moi. On va y arriver. Ouais, ouais, mais ouais. Tout fonctionne bien. Après, ça dépend de la connexion de chacun aussi. C'est un peu mieux, mais c'est vrai que c'est pas dingue. C'est un petit peu mieux, mais ça peut. Ouais, je me demande. Bon, c'est effectivement. Ouais. Ouais, un petit problème de son. D'accord. Bon. Il y a beaucoup de monde. C'est vrai que c'est le premier jour de confinement. Je pense qu'il y a beaucoup de monde sur les réseaux. Et donc, ça abîme certainement. C'est beaucoup mieux. D'accord. Emmanuel dit que c'est beaucoup mieux. Donc, je vais conserver. On a gagné un petit peu. Mon petit casque. Donc, on était sur les conseils à donner aux créateurs. Donc, effectivement, rejoindre une enseigne, c'est bénéficier de l'expérience hein, de la personne qui va accompagner dans la phase projet, ouais. Parce qu'on sait déjà qu'un investissement humain et financier, en fonction de la ville où on va le positionner, du quartier, de la rue, ouais. Il n'aura pas le même potentiel, il n'aura pas les mêmes résultats. Donc, c'est vrai qu'il y a un conseil qui va être donné. Moi, je sais que toutes les personnes que j'ai accompagnées depuis le départ, je me lance dans le projet comme si c'était mon argent qui allait être investi.
Et ça, c'est quelque chose, je pense, de très précieux. Donc, on va dire que le premier intérêt, c'est de sécuriser son démarrage hein, dans ouais. le fait de rejoindre un réseau. Et l'argent qui va être investi pour ça, il est, à mon avis, très bien employé, très bien utilisé. Ça apporte de la sécurité, en fait, pour le nouvel arrivant. Ça apporte de la sécurité. Oui, ça apporte beaucoup de sécurité parce que le réseau a besoin que ce projet réussisse. Donc, les intérêts sont mutuels, sont réciproques. Oui. Et on n'a pas peur. Encore tout à l'heure, j'avais un candidat qui nous a présenté un emplacement. Je lui ai dit que voilà, sur cet emplacement-là, on n'irait pas, mais c'est pour son bien. Voilà, c'est pour son bien parce que voilà, on ne veut pas prendre de risques et avoir une agence qui fonctionne moyennement au bout de 6 mois en se disant non, mais oui, mais peut-être que c'est parce qu'elle est mal placée. Donc, on prend un bon emplacement, on prend un très bon emplacement, comme ça on met de côté ce risque-là, il n'existe plus et s'il y a des difficultés, on regardera autre chose. Mais on prend les points un par un. Donc je dirais effectivement sécuriser son démarrage. Ensuite, le deuxième élément, bah, c'est qu'on est sur un métier qui a extrêmement évolué hein, depuis une dizaine d'années. Effectivement, donc aujourd'hui, on a dit que c'était un métier de proximité. Donc, ce qui va être indispensable, c'est d'être un bon professionnel. Mais ça, voilà, la plupart des agents immobiliers sont bons sur leur cœur de métier, un bon marketeur. D'être en même temps expert en digital, juriste. Et le métier aujourd'hui demande aussi de nombreuses compétences périphériques oui. Qu'il est difficile voilà, d'avoir au sein d'une seule et même personne. Et une agence immobilière, ça reste une petite entreprise qui a besoin de ses fonctions. Et si l'entrepreneur se lance dans tout ça tout seul, il va se noyer, il n'aura pas le temps de faire son cœur de métier. Donc moi, le conseil que j'ai à donner, c'est voilà, se focaliser sur son cœur de métier, sur ce qui oui. a le plus de valeur ajoutée. Et pour le reste, s'appuyer sur un réseau immobilier, choisir celui qui nous correspond le mieux hein, voilà, par oui. rapport à une marque, par rapport à un savoir-faire, par rapport oui. à des services. Donc voilà, l'accompagnement dans la phase projet, tout le back-office en vitesse de croisière. Et puis on pourrait rajouter le savoir-faire aussi, la méthode commerciale. Donc la plupart des réseaux ont un savoir-faire, proposent une méthode commerciale. Et ça, c'est également un élément capital. Pourquoi ? Parce que le développement d'une agence immobilière, ça passe par l'humain, ça passe par le recrutement. Et un agent immobilier, aussi bon soit-il, souvent, sa réussite, son chiffre d'affaires repose sur son propre savoir-faire, souvent de manière instinctive, et ce n'est pas forcément transmissible ou pas facilement transmissible. Donc, rejoindre un réseau, c'est aussi, on va dire, augmenter sa marque employeur, oui. accroître sa capacité à recruter, à former et donc aussi à fidéliser. Voilà, puisque les réseaux ont une méthode commerciale qu'ils ont structurée, et que on dispense cette formation dans le cadre de formation d'intégration, dans le cadre de formation live. Et donc, voilà, il y a beaucoup d'agents indépendants qui ont adhéré au réseau côté particulier, leur principale attente, c'était le recrutement, la formation, la fidélisation des équipes. Et donc ça, c'est le troisième point que je rajouterais dans les conseils et dans l'intérêt pour rejoindre. Le troisième point, c'est lequel ? Parce que je ne l'ai pas bien entendu. Tu m'as dit, c'est le... Bon, donc le recrutement, c'est clair. Alors, la méthode. Voilà, le recrutement. Le recrutement méthode, je les mets ensemble voilà, ouais. parce que la méthode commerciale aide à recruter, permet de recruter et donne une trame sur laquelle on va pouvoir manager, structurer son équipe. Voilà, le premier point que j'avais évoqué, c'était de sécuriser son démarrage et d'être accompagné dans son démarrage. Le deuxième point, c'est d'être focus sur son cœur de métier hein, et de s'appuyer sur des services qui sont mis en place par le réseau pour le
pour le reste. Donc voilà, ça c'était les trois points, parce que tu m'as interrogé sur l'intérêt de rejoindre un réseau. Tu m'as dit, je parle pas de côté particulier en particulier, c'est parce que j'ai fait une réproche quand même assez. Au sens large, mais sur les réseaux, je pense qu'effectivement, assez global. C'est de plus en plus compliqué d'ailleurs, il y a de plus en plus de réglementations, c'est de plus en plus complexe de réussir dans ce métier, même si c'est un beau métier, mais ça reste difficile. Donc, le réseau apporte du confort en tout cas au lancement et dans toute la phase de développement de l'activité. Tout à fait. Et alors, souvent, moi j'ai rencontré beaucoup d'agents indépendants qui, au départ, sont un peu hésitants dans cette démarche parce que les agents immobiliers indépendants sont très attachés à leur indépendance. Chez Côté Particulier, c'est vrai qu'on respecte totalement cela. Les agents immobiliers qui nous ont rejoints ont tous une forte personnalité. Ils sont patrons, ils sont chez eux. On est à leur service, et c'est vrai que l'adhésion à un réseau, notamment au réseau Côté Particulier, n'implique aucune perte d'identité. Voilà. Donc, on a en plus un fonctionnement sans reversement d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires, donc on est sur une redevance fixe, ce qui fait qu'il n'y a pas d'ingérence effectivement dans la gestion de nos partenaires. Donc voilà, donc il y a d'autres. Il y a vraiment des spécificités, réseaux. En tout cas en termes de modèle économique sur le concept. Voilà, il y a non seulement une approche particulière, donc il y a la transparence, il y a vraiment la proximité, on en a parlé, mais il y a aussi un modèle économique particulier, si j'ai bien compris. Alors il y a un modèle économique particulier et aussi un état d'esprit. Voilà, on aime l'indépendance de nos partenaires, on aime les fortes personnalités de nos partenaires, on partage avec eux une marque, des valeurs. Des outils, du digital, une centrale d'achat qui leur permet de faire des économies, une méthode commerciale qu'on leur propose mais qu'on ne leur impose pas, et des formations. Voilà, l'ensemble dans le cadre d'une redevance fixe. Et donc, c'est vrai que les agents immobiliers qui nous contactent ont vite fait de faire le compte de ce que leur coûte leur fonctionnement aujourd'hui, de ce qu'il leur coûterait s'ils étaient côté particulier. Et certains peuvent même faire des économies en adhérant au réseau s'ils bénéficient beaucoup de notre centrale d'achat, en fait. C'est très clair. En tout cas, un positionnement particulier sur le marché. Et je sens voilà, une approche humaniste, parce qu'on en a parlé, finalement, ce contact, cette relation, puisque c'est un métier de relation, un métier d'agent immobilier. Comment ça s'incarne? Est-ce que vous faites des événements ensemble? Enfin, faites des événements. Je ne suis pas sûr que les événements soient faciles en ce moment, mais par le passé, en tout cas, il y a eu, entre autres, des événements à Barcelone, puisqu'on avait repris le réseau il y a quelques années. Tout à fait. Donc, c'est se connaître, se rencontrer, se réunir, ça fait partie des choses fondamentales dans un réseau. Donc, on propose en temps normal, effectivement, une convention nationale la dernière ayant eu lieu, tu as raison, à Barcelone en 2019. 2020 a été reporté. Voilà. Bien sûr. À quand, je ne sais pas. En tout cas, on compense. On essaye de compenser parce que ce n'est pas la même chose, mais on a déployé maintenant des webinars qui sont presque tous les mois, voilà, et qui permettent de donner la parole aux adhérents du réseau. Alors, de manière totalement horizontale, l'objectif, c'est vraiment à chaque fois d'aller prendre la température aux quatre coins de la France, de donner la parole aux agents côté particulier. Chacun peut commenter son marché. Et puis donner des bonnes pratiques, voilà, parce que ça c'est aussi important dans un réseau en tant que chef d'entreprise de manière générale. Hein, on est souvent seul, il faut prendre plein de décisions tous les jours et on est souvent c'est un peu seul pour choisir. Être dans un réseau, c'est ne plus être seul, voilà, c'est être avec d'autres collègues qui ont les mêmes problématiques, qui se posent les mêmes questions et certains ont déjà apporter une réponse. Voilà. Et comment, alors justement, il y a ces événements ensemble, il y a des webinaires aujourd'hui, c'est quoi, toutes les semaines, tous les mois? Il y a un réseau, vous avez un Facebook at work, comment vous fonctionnez là-dessus, sur cet échange justement? Alors aujourd'hui, effectivement, on organise des webinaires qui ont lieu en moyenne une fois par mois.
Voilà, donc okay. Une fois par mois, on va connecter effectivement toutes les personnes du réseau qui le souhaitent, ouais. et échanger. Donc au final, on va dire qu'on le faisait on faisait des webinars tous les 3-4 mois avant le premier confinement. Et pendant le premier confinement, certains agents du réseau nous ont un peu secoués, mais positivement. Ils nous ont dit, on a toutes les équipes qui sont à la maison, qui sont à l'arrêt. Vous faites quoi? Et bon, on a réfléchi rapidement, parce que dans ces moments-là, on n'a pas beaucoup de temps pour réfléchir et pour décider. Et on a fait en fait un webinar tous les jours, avec 2 heures de formation qu'on a en plus offert. Donc ça a été des formations offertes à tous les adhérents du réseau, à toutes leurs équipes. Et ça leur a permis déjà de rester connectés, de rester Bien ensemble, sûr. 2 heures tous les jours. Donc on a été vraiment unis dans ce moment qui était un peu compliqué. Et en plus, ils ont validé les heures nécessaires pour les renouvellements de cartes professionnelles de la loi Allure. Et suite à ça, on s'est dit c'était vraiment très bien. Et on ne va pas continuer à faire des webinars tous les jours, parce qu'il faut aussi être sur le terrain quand même de temps en temps. Oui. Par contre, on va le faire une fois par mois. Et donc, on a gardé ce rythme de réunion en webinar une fois par mois. Une fois par mois. Et qu'est-ce qui est prévu justement sur ce troisième confinement? Est-ce qu'il y a des choses nouvelles, des adaptations, des nouveautés? Est-ce qu'on va reprendre un rythme plus soutenu? Alors, en fait, le troisième confinement est très différent du premier et du deuxième. Ouais. Le premier, on ne pouvait plus rien faire. Donc, ça, c'est sûr. Tout le monde était à la maison, agence fermée, pas de possibilité de prendre des mandats, pas de possibilité de faire des visites. Donc, chômage technique total. Oui. Donc là, on a fait des webinars, effectivement, tous les jours. Le deuxième, ça a été un peu différent dans la mesure où on pouvait au départ aller faire des estimations et prendre des mandats. Et on ne pouvait pas faire de visite dans un premier temps. Puis après, on a pu reprendre les visites ont été à nouveau autorisées, effectivement. Voilà. Aujourd'hui, troisième confinement, les agences sont fermées, mais elles peuvent faire des estimations, prendre des mandats et faire des visites. Donc concrètement, elles peuvent travailler. Peuvent travailler. Et aujourd'hui, si on faisait un webinar tous les jours, il n'y aurait pas grand monde qui participerait à ce webinar, parce qu'on est sur un marché en plus un peu tendu, tendu, pas seulement dans les zones habituellement dites tendues comme Paris, Lyon, Toulouse, les grandes villes, mais il est tendu un peu partout. Ouais. Il y a beaucoup d'acquéreurs et il y a peu de biens à la vente, ou en tout cas, ils se vendent assez vite. Donc, les stocks diminuent. Donc, la rentrée de mandat, là, c'est vraiment le nerf de la guerre aujourd'hui. Et je pense que les agences sont avec toutes les précautions nécessaires et en respectant un protocole sanitaire strict élaboré notamment par les syndicats et notamment par la FNAIM, donc peuvent effectivement continuer à travailler, pas comme d'habitude, mais à travailler quand même. D'ailleurs, c'est quoi tes pronostics sur ce troisième confinement? C'est un confinement qui va être vraiment un confinement laborieux, c'est-à-dire qu'on va beaucoup travailler, ou c'est quoi tes pronostics pour ce mois à venir? Alors, je fais aucun pronostic. Voilà, le rattrapage qu'on a eu à la sortie du premier confinement, je pense que personne l'avait prévu. Ouais. Donc aujourd'hui, ce qui caractérise plus le contexte, c'est quand même l'incertitude. Ouais. Donc, pas de pronostic me concernant. Par contre, une conviction, c'est que on a la chance d'être sur un métier qui fait partie. Je dirais que, le logement au sens large, il y a deux entre guillemets gagnants dans la période qu'on vient de traverser. Le digital d'un côté, le logement de l'autre. On a fini l'année 2020 avec à nouveau 1 million de transactions. Donc, c'est la troisième ou la quatrième meilleure année de l'histoire, malgré 4 mois de fermeture des points de vente. Ouais. Voilà, donc c'est assez incroyable. Donc, ça veut dire aussi que les agents immobiliers ont fait un travail remarquable. Donc aujourd'hui, on peut travailler dans le sens où on peut prendre des mandats, on peut faire des visites, donc on peut faire des ventes.
faisons des ventes, accompagnons nos clients. Ils sont là, ils sont demandeurs. C'est clair. Donc, ça sera pour toi, même si tu ne le dis pas, une bonne année 2021 en perspective. Moi, je pense que ça va être une excellente année. Je suis assez confiant sur le sujet pour l'immobilier qui va se porter, à mon avis, très bien pendant des années à venir avec l'inflation des actifs. Mais ça, c'est mon cheval de bataille. On va enfin parler du palmarès. C'est pour moi une bonne transition. Voilà, le palmarès, c'est un événement, comme on le disait, qui a sa huitième édition cette année, la FNAIM nous accompagne, nous a ouvert ses portes l'année dernière, et donc on fera encore cette année, la remise des prix sur le congrès de la FNAIM. Je vois qu'on parle des différents critères de performance du palmarès, et que tu me donnes un peu ton avis sur trois critères de performance, à commencer par le concept agence. Voilà, c'est quoi le concept agence de côté particulier? Est-ce que l'agence est pour toi importante? Parce qu'on parle justement du confinement, en tout cas d'une année particulière où le business a été très bon alors que peut-être que l'agence a été fermée parfois. Le concept agence, est-ce que c'est important pour toi? Est-ce que c'est important pour côté particulier? Et est-ce qu'il y a des évolutions qui sont prévues? Et comment tu vois d'ailleurs le marché évoluer à terme? Donc, trois questions en une. Très bien. Très bien. Alors oui, tout à l'heure, tu m'as posé la question sur les éléments clés de succès dans une création d'agence. On a basculé sur le fait de rejoindre un réseau. Mais de manière générale, si tu n'avais pas posé la question réseau par réseau, ma réponse, je serais allé sur un des premiers, voire le premier élément de succès, c'est le point de vente. Oui. En tout cas, aujourd'hui, dans notre vision chez Côté Particulier, le point de vente, c'est le premier média. Et à l'heure du digital, et le digital, c'est évidemment pas négociable, c'est incontournable, on pourra aussi y revenir, on va y revenir, mais le point de vente, ça reste un panneau publicitaire au cœur d'une zone de chalandise. Alors les gens, ils sont sur Facebook, ils sont sur Google, ils sont sur les plateformes, ils sont dans le digital, et le digital génère du lead, génère des contacts, mais ce qui va transformer, ou en tout cas aider à transformer un lead en un client, c'est la confiance. Et la confiance, ça passe par la proximité, ça passe par le point de vente. Et donc, on peut aussi à ce titre, alors il y a 150 ans, il y a un monsieur qui s'appelait, un Américain qui s'appelait, phrase que beaucoup de gens connaissent, mais qui s'appelait John Wanamaker, quelque chose comme ça, voilà, qui était à la tête de grands magasins aux États-Unis, et qui disait je suis un peu embêté parce que la moitié de toutes mes dépenses publicitaires est perdue. Il disait mais le problème c'est que je sais pas quelle moitié. Non. Voilà. Alors, je sais pas quelle moitié, et on est, je pense, un peu tous dans cette situation encore aujourd'hui. Quand on fait des actions publicitaires, il y a une partie qui a un retour, une partie non, on ne sait pas trop. Alors, le digital, ça permet de faire des ciblages chirurgicaux, donc on augmente les ROI et c'est mieux. Mais même avec le digital, on perd encore une grande partie des investissements. Pour moi, le seul endroit, le seul média sur lequel on ne perd pas 1%, on ne perd pas 1 euro, c'est le point de vente. Le point de vente, c'est le visage de l'entreprise. On l'a autour de soi pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, je ne sais pas. Il faut le renouveler un petit peu aussi de temps en temps. Mais en tout cas, tout ce qu'on investit sur le point de vente, pour moi, c'est 100% rentable. C'est visible tout de suite. Voilà. Donc, mon premier conseil, c'est, vous l'avez compris, c'est d'investir. Et on peut le faire avec des investissements raisonnables. Mais c'est d'investir effectivement sur son point de vente. Alors, investir, ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour moi, déjà être visible. Donc, dans l'ADN côté particulier, on va parler encore une fois de transparence. Donc, la transparence, c'est aussi quelqu'un qui passe sur un trottoir, le trottoir gauche, il doit voir le fin fond de l'agence qui est sur le trottoir droit parce qu'on n'a rien à cacher. Alors, pour ça, exit les murs d'images, les murs d'annonces, où on a 50 annonces en vitrine. Les annonces, on est d'accord. On en a sur les plateformes, on en a sur le digital. L'objectif du point de vente, c'est de faire venir des vendeurs, donc des gens qui ont besoin de conseils, besoin d'écoute, d'une estimation et de leur donner envie de rentrer. Donc, une vitrine épurée.
voilà, avec quelques beaux porte-affiches, hein, de préférence les plus lumineux du marché. Voilà, ça peut être Vitrine Média, par exemple. Hein, en tout cas, c'est le choix de côté particulier. Et puis, effectivement, la vitrine, il faut être visible, il faut être attractif, il faut être séduisant. Donc, la vitrine, elle doit être dynamique. Voilà. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir une vitrine, on est dans un environnement urbain avec d'autres concurrents, d'autres acteurs, d'autres commerçants. Il faut attirer le regard sur soi. Et donc aujourd'hui, les solutions type écran, hein, qui permettent simplement de par la lumière et de par l'information d'attirer le regard, c'est des solutions qui paraissent indispensables. Et si on rajoute une évolution peut-être que tu prévois sur le réseau, ce qui, en termes de concept, puisque tu as un concept actuellement, mais c'est quoi ton, parce que ça a évolué, hein, la vitrine ou l'agence a beaucoup évolué en 10-15 ans, vraiment, elle a énormément évolué, il y a eu beaucoup de choses de faites, des très belles choses de faites dans plein de réseaux, avec chacun leur identité. Est-ce que tu prévois quelque chose de particulier sur les 3 années qui viennent, en tout cas une dynamique particulière? Alors déjà, on a revu notre identité de marque il y a 18 mois. Donc on est encore dans une phase de déploiement de notre nouvelle identité, notamment sur la partie signalétique des agences. Oui. Ensuite, dans l'ADN côté particulier, il y a aussi des notions de liberté. Voilà. Donc on aime bien que la marque soit bien incarnée sur le point de vente, hein, notamment sur la partie extérieure du point de vente et des agences. Mais on laisse aussi beaucoup de liberté pour les adhérents du réseau pour personnaliser leur agence et pour s'approprier le concept à partir du moment où on a de la transparence, on a de la lumière, il faut que ça soit lumineux, et où on peut matérialiser qu'on est du côté des particuliers. Donc ça veut dire avoir des espaces d'accueil conviviaux, type manche debout, canapé, fauteuil, privilégier des tables rondes aux tables carrées et rectangulaires. Voilà. Mais c'est des recommandations, chacun... c'est pas des obligations, c'est des recommandations. C'est-à-dire qu'il y a vraiment de la liberté qui est laissée. Tout à fait. La liberté qui est laissée aux agences. Tout à fait. Et on a du coup des initiatives qui sont fortes et qui sont très bonnes. Et Emmanuel, je crois, est toujours avec nous. Et je sais qu'il est en train de nous faire une très, très belle agence à Saint-Maur des Fossés. Voilà, où il y a une cuisine également qui est prévue dans cette agence, où on sera vraiment dans un esprit de convivialité. Une bonne remarque d'Emmanuel, effectivement, à l'instant. Sur l'agence, voilà, qui doit être un écosystème qui permet d'organiser du networking, des événements sur les sujets d'actualité pour les particuliers de sa ville. Ça, c'est vrai. C'est une très bonne remarque. Merci, Emmanuel. Donc, de la liberté. Exactement. La stratégie digitale, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, la stratégie digitale et le… Est-ce qu'il y a des… Voilà, peut-être pas les secrets quand même, mais c'est quoi les piliers de la stratégie digitale? Alors, les piliers de la stratégie digitale, l'objectif du digital, c'est de générer des leads, hein, c'est de faire du business. Et pour ça, il faut être visible et il faut être crédible. Voilà, il faut être donc être visible, ça veut dire avoir un site internet évidemment bien référencé. Ça veut dire être présent, hein, sur les plus grosses plateformes pour les acquéreurs, et on peut le citer évidemment Le Bon Coin et Se Loger, et on doit évidemment, bien entendu, citer Bien Ici, qui fonctionne remarquablement bien. Être présent sur les plateformes aussi où sont les vendeurs, parce qu'aujourd'hui, effectivement, les vendeurs sont nombreux à préparer un projet sur des plateformes telles que Meilleurs Agents. Donc, nos conseils, hein, sont d'être pragmatiques et d'être visibles sur les plateformes où sont effectivement nos clients. À côté de ça, il faut aussi avoir une stratégie propre, hein, c'est-à-dire de ne pas être seulement dépendant des plateformes, mais avoir aussi sa propre capacité
à générer des leads, à générer des contacts vendeurs, d'où l'utilité de développer ces réseaux sociaux, parce qu'un oui. réseau social, bah, c'est ma propre plateforme dans ma ville, et là, je n'ai pas d'intermédiaire, je n'ai pas un péage à passer, je parle directement à mes clients, à mes prospects. Donc, c'est important d'avoir une stratégie de community management et de développement bah, de ça. On a des agences dans le réseau qui ont déjà, dans des petites villes, hein, 3 4 000 personnes qui les suivent au quotidien. Et ça veut dire une audience ciblée de 3 ou 4 000 personnes à chaque fois qu'une information va passer. Localement, effectivement. Voilà. Donc, être visible sur ses propres réseaux sociaux, grand public, professionnel, les développer pour développer une audience, être référencé évidemment sur les plateformes. Et voilà, encore une fois, la visibilité, c'est bien, mais il faut être crédible. Voilà, il faut être crédible. Ah, ça passe. Donc, par quoi ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être crédible ? Ça passe, et ça passe notamment, l'élément numéro un, c'est évidemment les avis clients certifiés. Donc, on a voilà, la transparence, encore une fois, c'est dans l'ADN côté particulier. Donc, quand Jean-David Lépineux est venu nous voir, c'était il y a 7 ou 8 ans, avec sa proposition, on a effectivement, nos yeux ont brillé, et puis on a dit, c'est exactement ce qu'il nous faut. Et pour ne pas faire de débat qui prend pas, c'est le réseau qui a pris pour tout le monde. Et aujourd'hui, toutes les agences côté particulier sont dans cette démarche généralisée d'avis clients certifiés. Et c'est aujourd'hui, je ne vois pas comment on peut faire sans. C'est autant d'empreintes digitales indélébiles, mais de bonnes empreintes, puisqu'évidemment, on a globalement de bons avis et toutes ces traces qui sont laissées justement sur toutes les plateformes qu'on évoquait, puisque ces avis sont multi-diffusés. C'est l'e-réputation, donc c'est la crédibilité de l'agence. De l'agence, oui. Voilà, et ça, le digital, encore une fois, nécessite le renfort. Il faut une réassurance, et ça passe à la fois par les avis clients et ça passe aussi par un beau point de vente en proximité. C'est très clair. Je voulais y venir justement sur l'approche client. Donc, l'approche client, c'est bien sûr les avis clients et la méthode commerciale. Donc, des formations sur la méthode commerciale. Est-ce qu'il y a quand même… On en a parlé de transparence. Donc, il y a une approche méthode commerciale. C'est quoi ? C'est une méthode que vous avez achetée ? C'est une méthode que tu as développée en particulier ? Est-ce qu'elle a des spécificités, cette approche client, au final ? Est-ce que tu as créé vraiment un module particulier et qui fait la différence après localement, parce que il y a quand même des concurrents, vous n'êtes pas sur ce marché, même dans toute la France il y a des concurrents. Donc comment est-ce que tu pourrais qualifier cette approche client? Alors cette approche client, elle est pragmatique et elle repose sur un constat. Quand on travaille en mandat simple, on perd son temps et on ne gagne pas sa vie. Et en tant que négociateur ou en tant que patron d'agence. Et quand on travaille en exclusivité, on facture son travail, on est dans l'efficacité et l'entreprise se porte bien, ou en tant qu'agent commercial ou négociateur, je développe bien mes affaires. Donc ça, c'est un constat qu'on est, je pense, j'ai rien inventé en disant ça. Mais du coup, ce qu'on a mis en place et développé depuis maintenant plus de 10 ans, c'est une méthode commerciale qui repose sur l'exclusivité, donc avec une trame. Elle a un nom particulier, c'est un nom particulier, cette exclusivité? Alors, ou c'est tout simplement l'exclusivité? On a un mandat qui s'appelle le mandat gagnant. Voilà, mandat gagnant. Ce mandat, il est gagnant pour tout le monde. Alors, il est gagnant pour le vendeur parce qu'il va bénéficier d'un maximum de services, et notamment tout ce qui peut permettre, alors d'un point de vue digital, parce qu'on a parlé de digital pour la notoriété, mais il y a tout ce qui peut se faire en termes de digital pour valoriser un bien, hein, donc tout ce qui va être home staging virtuel avec des sociétés telles que Rinov, tout ce qui va concerner évidemment la visite virtuelle. Aujourd'hui, tout ce qu'on peut mettre en œuvre aussi en termes de signature électronique, notamment d'un compromis de vente, oui, avec des sociétés comme Modelo ou MyNotary. Donc voilà, dans le cadre d'un mandat, donc mandat gagnant, notre client va avoir un maximum de services et va bénéficier d'honoraires encore
plus attractif. Voilà. Dans la mesure où on est quasi certain de pouvoir facturer notre travail, eh bien, on en fait profiter effectivement le vendeur et l'acquéreur avec des honoraires inférieurs. Avec des honoraires effectivement bien positionnés. Très clair sur la méthode commerciale. Je t'encourage vraiment à pousser au sein du réseau le palmarès, parce que j'aimerais avoir cette année de nombreuses agences côté particulier qui se présentent au palmarès. On avait plus de 500 candidatures l'année dernière. J'aimerais voilà, qu'on ait au moins 10 beaux dossiers, Jean-Philippe, cette année au palmarès sur 2020. En plus, c'était une belle année, donc je pense qu'il y a des belles agences, il y a des agences qui ont bien performé. On aura l'occasion d'en parler ensemble, mais voilà, des belles agences à candidater. Est-ce qu'on a des questions de nos auditeurs? J'espère qu'on nous a entendus. C'était, là, il y a eu un petit problème. J'ai réussi à tendre l'oreille, mais est-ce qu'on a des questions? Est-ce qu'on a des questions? Alors, Benoît, est-ce que Benoît est encore là? Ah, c'était notre Benoît de Chambéry. Donc, Benoît qui est en cours d'implantation de son agence côté particulier à Chambéry. Mais il a raison, Emmanuel, il neige à Chambéry, c'est pour ça qu'il n'y a pas de réseau. C'est ça, il neige beaucoup. Hein, il neige. Mais je crois qu'il neige à Paris, hein, c'est ce que j'ai entendu. Hein. Ce temps est incroyable. Bon, pas forcément de questions ce soir, mais en tout cas, merci beaucoup Jean-Philippe pour cette interview. Merci pour tes conseils. Merci encore pour ta confiance aussi, parce que ça fait des années que tu nous fais merci confiance. Merci à toi Thibaut. Merci beaucoup pour ce temps et tu as reçu nos équipes il n'y a pas très longtemps. Merci encore et vraiment, prochain épisode et tu effectivement sur entre autres les réseaux sociaux et les avis clients avec Romain Cartier, ce sera le mardi 20 avril à 17h. Voilà. Pour en savoir toujours plus sur les réseaux sociaux et leur importance dans la stratégie digitale. Merci beaucoup Jean-Philippe, merci à toi, merci à tes équipes. Merci Thibault. Merci beaucoup.